Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas faire quoi? Eh, pépé, votre prof, il vous attend. D'accord. Et qu'est-ce que je viens de voir? On n'a rien fait, non? Si, je t'ai vu. Et toi aussi, je t'ai vu. Ses cheveux? C'est quoi, ses cheveux? On disait juste qu'elle a de beaux cheveux. Des beaux cheveux? Ouais. Pour les tirer comme ça? Bah, vous voyez, après, juste comme ça, et puis c'est bon. Hein. Allez, on se porte. Bon, d'accord. Et la prochaine fois, je vais voir le principal. D'accord. Vous avez un air vraiment énervé. C'est peut-être parce que c'est vrai. Alors, j'ai vu une certaine Julie et une certaine Marie harceler une certaine Alizé. Il y a sa copine Maëlle qui a essayé de la défendre, mais elle s'est retrouvée dans le loup. Ah, j'espère que vous allez agir. Oui, je vais agir. Vous allez me les... Vous allez me les... Vous savez dans quel cours ils vont maintenant? Je crois que c'est physique-chimie. Bah, le vôtre. Bah, vous me les ramènerez, vous me les convoquerez ici. D'accord. Après la récré. Il n'y a pas de soucis. Bon, bah, maintenant, je vais préparer. J'ai pas le droit de leur faire un truc en plein coup? Non. D'accord. Non. Maintenant, je vais préparer une feuille pour tout noter. Et après, je verrai les sanctions que je vais leur donner. C'est bon. Oh, mon téléphone. Par contre, la prochaine fois, vous faites plus ça en rentrant. Ça suffit pas de nous avoir dénoncé. Mais grave. Pourquoi tu nous as dénoncé? Hein? Parce que vous me faites du mal. Bah non. Non! Absolument pas, mais non, on n'était pas bien. Voyons. Ça déçu. Tu veux me passer? Allez, la 6ème B, on y va! Bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, je suis aveugle! J'ai des gros yeux, hein, je suis pas aveugle! Donc, avez-vous bien compris ce cours? Oui, monsieur! Donc, la semaine prochaine, je veux que vous connaissiez votre cours et que vous ayez terminé l'activité 5 et l'activité 6, page 95 et 96. Celui qui n'aura pas fait, attention à lui. Vous pouvez y aller. Par contre, vous deux, vous restez avec moi s'il vous plaît. Alizé, viens avec moi s'il te plaît. Est-ce que tu as des ennuis dans cette classe? Oui. Il n'y a que ces deux pièces qui... Oui, monsieur. Et depuis quand? Depuis longtemps? Depuis pas longtemps? Depuis quelques mois. Quelques mois? T'en as parlé à quelqu'un? Un élève ou... Oui. Qui? Maëlle. Maëlle? D'accord. Donc je vais aller voir. Ben, la principale voudrait les voir. Tu veux venir maintenant ou plus tard? Plus tard. D'accord, tu peux retourner en cours. Vous savez que nous sommes dans une classe? Oui, monsieur. Qui dit classe, dit... Aucune casquette sur la tête. Ah oui, pardon. Est-ce que moi je suis dans la classe avec une casquette sur la tête? Non. Donc toi, qu'est-ce que tu fais derrière toi là? Toi aussi? Une casquette. À qui c'est ça? C'est Alizé, mais elle l'a oublié, on allait lui donner. J'ai le droit de regarder ce qu'il y a dedans? Oui. Oui? Je pense. C'est bizarre ça. Des petites harceleuses. Oui. Oui, vous. Mais on n'a rien fait. C'est pas là. Mais on allait le lui rendre. Alizé, tiens. Merci. De rien. Donc, vous allez me suivre. Oui. Quelque part. J'entends un mot de votre part. Je vous colle. Voir qui. D'accord? Allez, d'accord. On y va. Avancez. Ah, mais c'est la deuxième fois que vous me faites ça! C'est de ma faute! Bon, vous entrez, vous attendez quoi? Je vous ramène les petites harceleuses. Et vous, comme je vous ai fait le moral avant? Alors, vous allez vous asseoir
Allez, viens. Madame la principale est contente? Oui. Bonjour, j'ai fait quelque chose de mal? Non, vous avez juste témoigné. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec une certaine élève de votre classe qui se fait apparemment harceler? Et apparemment, c'est des bonnes copines. Oui. Vous pouvez témoigner de ce qu'elles font, les deux jeunes filles? Ben, les insultes, elles l'ont pris. Mais on n'a rien fait. On vous a demandé de parler. Vous avez vu quelque chose? Oui. Dans mon cours. Ils ont volé exactement 17,50€. Sérieusement, là? Vous êtes sérieux? Elle porte monnaie, Pikachu. Ah oui, j'ai déjà vu dans mon bureau. Ouais. Moi, je serais toi, j'enlèverais mon petit sourire. Hein. Il y a sourire encore. J'ai le sourire. Donc, voilà. Maintenant, nous allons appeler la harcelée. Vous pouvez me la chercher, s'il vous plaît? Il n'a pas de modèle à aller maintenant. Hein. On va aller voir ça. Maël, tu peux retourner en cours. Madame la principale, s'il te plaît. D'accord. Ouais. Ah, ils vous cassent les pieds. Un téléphone, c'est pas dans un bureau. Bien. Ah, ouais, c'est juste. Tu peux te mettre assis si tu veux. Mais où tu veux. Maintenant, tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe avec les deux filles. Eh bien, elle m'harcèle. Bonjour. Explique. Ben, en sport, elle est quoi. Je rigole pas. Ouais. Désolée, t'as mis en confrontation avec elle. Mais c'était pour que tu... Je me suis dit, peut-être que t'auras le courage de la retirer devant elle. Si tu veux, tu peux partir ou tu peux rester. Je vais faire partir. Vas-y. Vous n'avez pas honte de harceler, pas honte. Pas honte. Non, non. Pas du tout de honte, hein. Non, parce qu'harceler une petite comme ça, c'est bien marrant. 5 minutes. Mais après, elle peut vraiment le prendre mal. Vous savez qu'elle est suffisante pour ça. Heureusement qu'on a intervenu tôt. Parce que rassurez-vous, vous n'avez pas tapé ou quoi? Non. Oui. Bien sûr, mais bien sûr. On va demander ça après. On va la reconvoquer. Pendant que vous ne serez pas là. Comme ça au moins elle me dira la vérité. Retournez-vous s'il vous plaît, vous là. Il n'y a pas une fenêtre là? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, c'est la tabassée. Ah, plus dans mon bureau. Vous avez pas honte? Écoutez, sortez, après je verrai votre sanction et j'irai la chercher. Vous allez me la chercher, s'il vous plaît? Non, attends. Pour qu'elle me dise vraiment la vérité. Non. N'importe quoi, vous dites? Vas-y. Hors du balai. Oui, oui, et toi? Ouais, elle te laisse tranquille, toi. Ben, pour l'instant... Cette carteuse! Laissez-la tranquille! Mais elle a le droit qu'à nous casser! Eh ben, vas-y, 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 vas-y! Bon, ben, t'inquiète pas, hein, ils vont pas te faire de mal. Eh, c'était quoi ce broucan ici, là? Eh, je suis là aussi, hein! Oh, putain, vous êtes devant, mais qu'est-ce que vous faites là? Faut appeler les pompiers! Oh, elle est tombée dans l'herbe! Madame, c'est les harceleuses, elles sont revenues, quoi. Ok, bah je m'en chargerai. Bon, pour l'instant, il faut appeler les pompiers parce que madame se fait mal. Monsieur! Monsieur! Et monsieur! Et l'handicapé, il t'emmerde! Ouais, on t'emmerde aussi!
punis toutes les quatre. Bon, il y en aura deux là-dedans qui seront déjà punis par une grosse sanction. Ah non, moi je dis enlever du collège. Ouais, je pense que ça va être ça. Bon, ok, toutes les deux, vous êtes exclues une semaine. Tous les jours. Non, une semaine. Oh, non. Pas tous les jours. Qu'est-ce que t'as, toi? Le pasteur t'accueillera. Bon, toi, tu seras bien, t'inquiète pas. Est-ce qu'on pue là pendant une semaine à te casser les toilettes? Non, pas une semaine. Oui, bah ça va être la vie, voilà, c'est bon. Yes. Et puis, comme ça, il n'y aura plus de problème. Ouais, yes. Vous serez au pasteur. Et puis voilà, c'est fini. Ah non, mais le pasteur, c'est pas dit que je leur fais pas une mauvaise pub là-bas. Vous excusez! Je pense qu'elle m'a très bien vos excuses. Bon, allez, bon, allez, on s'excuse quand même, sinon on va le refaire. Et sinon, au pasteur, vous ne serez pas accueilli. Bon, on s'excuse. Mais vous irez pas, et dites au revoir aux Verlaine aussi. Bon, bah, moi, je dois y aller. Hein. T'inquiète pas, tu les verras plus. Bonjour, je m'appelle Alizée et je suis la harcelée. Bonjour, je m'appelle Maëlle et je suis la pote de Alizée. Bonjour, je m'appelle Marie. Et moi, Julie, et nous sommes les harceleuses. Bonjour, je m'appelle Marie Curie et je suis la professeure de physique chimie. Bonjour, je suis Luna et je suis la directrice. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas les pouces. Abonnez-vous. Julie, c'est la best. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir car j'ai vu. Pour la faire. Attends, vas-y, filme un petit peu, voir, genre. Je pense que c'est peut-être à cause de la lumière ou quoi. Vas-y, ça, je le mets dans le bêtisier. Hey. C'est bon pour lui. Putain, il y a le professeur. C'est bon. Ah merde. Alors maintenant c'est le prof qui soit harcelé. Vous